Dernier jour de campagne électorale, Samou Seydoua Dambi en démonstration à Parakou. Une gigantesque caravane aux couleurs du duo Talon Talata à travers toute la ville pour assurer le chaos au duo de la mouvance présidentielle. Le slogan n'a pas changé. Nous espérons, ça dit pour le dimanche prochain, tout le monde n'a qu'à sortir pour aller voter. Parce que nous voulons, ça fait le premier tour, KO. C'est tout. Carrefour, Bioguera, Alouda, rond-point aérodrome, marché Azeké ou encore domicile de l'ancien maire Charles Toko. Les caravaniers ont sillonné toutes les grandes rues et les athées pour afficher leur soutien au candidat Patrice Talon et à sa coulistier Mariama Chabitalata. Mais l'apothéose, c'est ici au domicile du ministre Samou Seydoua Dambi, sorti lui-même pour accueillir ses militants. On a un caravane pour la part de ministre Samou Seydoua Dambi, qui est notre cœur à Parakou. Samou Seydoua Dambi, c'est pas Talon Talata, il n'a quelqu'un. Si c'est pas premier tout KO, il n'y a personne encore. C'est Talon Talata. 10 ans ou rien, premier tout KO. Vraiment, vraiment, on ne sait même pas quoi dire. Ces élections-là, ça se passe très bien, correctement. À Parakou, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de problème, tout est calme. Vous voyez, non? On est en train de faire caravane pacifique. Et ça fait peur même. Nous sommes sortis comme les 10 fils de la ville de Parakou. Quand on est de Natal, on doit sortir comme on veut. Et on doit marcher comme on veut. On ne craint pas. Talon et Talata, parce qu'ils ont fait beaucoup pour nous. Pendant 2 semaines qu'a duré la campagne électorale, Samou Seydoua Dambi, membre fondateur du Bloc républicain, parti soutenant les actions du chef de l'État, a séduit une grande partie des électeurs paraquois, leur montrant la pertinence du choix Talon Talata. Rendez-vous dans les urnes le dimanche 11 avril prochain.